Victor Frankenstein vient d'une famille de notables genevois. Son père l'envoie faire ses études de médecine à Ingolstadt, en Allemagne. Là, il va se passionner pour l'anatomie. Il cherche dans les cimetières des corps. Il se fait livrer des cadavres de condamnés à mort. Il les choisit plutôt grands, car c'est plus facile pour travailler. Il assemble différentes parties entre elles pour créer un nouvel être. Un soir d'orage, il donne vie à sa créature grâce à la foudre. Sa créature est gigantesque et hideuse. Effrayé par ce qu'il a fait, Victor Frankenstein prend la fuite et retourne à Genève. La créature s'échappe du labo et part dans la forêt où elle apprend à survivre. Un jour, elle traverse un village. Son aspect effraie les habitants qui la chassent à coups de pierre. Elle découvre ensuite une maison qui abrite une famille de Français en exil. La créature les épie sans oser se montrer. Elle se met à les aimer. Elle leur vient en aide en déposant du bois et des fruits sur le pas de la porte. La famille le prend pour une sorte de génie de la forêt, un don du ciel. Un jour, une jeune femme arabe débarque. En fait, sa mère est arabe chrétienne et son père est turc. Il s'est retrouvé en prison à Paris à la suite d'un complot contre lui parce qu'il était musulman. Alors, le fils des Français et la jeune arabe sont amoureux et la famille qui a aidé les musulmans est forcée de fuir la France. Et la jeune arabe apprend le français. Comme la créature les épie, à son tour, elle apprend vite à parler, lire et écrire. En découvrant dans son vêtement les notes du docteur Frankenstein, la créature comprend ce qu'elle est. Son origine. Scandaleuse. Elle trouve dans la forêt une valise avec des bouquins en français dedans. Les souffrances du jeune Werther, de Goethe, les vies de Plutarque. C'est en les lisant qu'elle construit sa personnalité. Regarde seulement dans le carton, il y a peut-être un chat mort. La créature adore cette famille. Elle la considère comme ses amis. Elle aimerait partager des moments avec eux, mais elle a peur de se montrer après ce qui est arrivé dans le village. Qui est là ? Un jour, elle profite du fait que le vieux père aveugle soit seul à la maison. Vous et votre famille, voilà les amis que je recherche. Ne m'abandonnez pas dans cette épreuve. Ah !
Mes protecteurs étaient partis, rompant le seul lien qui m'unit au monde. Des sentiments de vengeance et de haine gonflèrent pour la première fois mon cœur sans que je cherche à les étouffer. Me laissant porter par ce vent de fureur, je me pris à nourrir des envies de massacre et de mort. Il me suffisait toutefois de songer à mes amis pour que ces pensées se dissipent et qu'un torrent de larmes m'apporte quelque apaisement, mais que je me dise qu'ils m'avaient rejeté et abandonné, et ma colère devenait rage. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce carton ? Tiens, regarde. Tu dors ? Je me demande ce qu'on a trouvé dans ce carton, tu sais ? Mais qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce carton ? Mais qui pourrait rentrer là-dedans ? Personne ? C'est ridicule. Quand je pense à ce que vous avez trouvé dans le carton, quand j'y pense, je pourrais me mettre à pleurer ou sourire avec ironie. Mais je ne peux pas. Je suis une bête de foire. Un puzzle, un assemblage, un amas. Je te sens mal à l'aise avec moi, et ça, ça me rend fou!
Thank you.